ininterrompue de ces ventes mondiales. En Europe, 2008 se positionne solidement sur le podium du segment depuis son lancement. Les SUV 2008 et 3008 représentent aujourd'hui 25% de nos ventes. Peugeot dispose ainsi d'une offre forte sur un segment en croissance continue. Pour amplifier cette performance, la nouvelle Peugeot 2008 présente le visage d'un SUV à forte attraction. La calandre verticale et la nouvelle signature lumineuse arrière à griffes sont caractéristiques du nouveau design Peugeot. Un design sublimé dans la finition GT Line, laquelle propose à nos clients une ambiance sportive et chic, bien dans l'esprit de la montée en gamme de notre marque. L'expérience de conduite que vous avez publicitée dans vos comparatifs est plus que jamais au cœur des sensations délivrées par la 2008 et le Peugeot Hypercar. Un ensemble de nouveaux équipements est dédié à la sécurité, à la mobilité et à la connectivité. Sécurité grâce à l'Active City Break et au Grip Control, désormais disponible en association avec la nouvelle boîte automatique. J'ai le plaisir de vous présenter en première mondiale le nouveau Peugeot Traveller. Cette appellation unique, une nouvelle offre de principale, à même de satisfaire les attentes des professionnels et des particuliers sur ce segment. Conçu sur la plateforme de P2, le Peugeot Traveller propose une offre diversifiée pour tous. Des visages clients avec trois longueurs, de la compacité avec une hauteur contenue, un comportement dynamique, et un haut niveau de sécurité avec 5 étoiles au Wanka. Une consommation optimale, enfin, best in class sur son segment. Sa dotation d'équipements de confort et de sécurité est inédite sur le segment avec des fortes puissances latérales main libre, la vision technologique et la lecture des panneaux à des préconisations de vitesse. Notre nouvelle génération de navigation de l'équipe et le Peugeot Park 180 degrés et l'alerte attention au conducteur. Fort de ses avantages, le Peugeot Traveller a tous les atouts pour devenir une référence sur le segment des combispaces et des navettes vieilles.